Alors, nous allons vous présenter le jeu Disney Nature, ma première lecture de chez BioViva. Il est conseillé dès l'âge de 4 ans, il se joue de 1 à 5 joueurs et une partie dure environ 15 minutes. Dans la boîte, il y a 41 pièces réversibles et une règle du jeu. Alors, le but du jeu, c'est de reconstituer les photos des animaux pour découvrir les lettres de leur nom. Alors, chaque animal a une lettre qui s'y réfère. Donc, je vais choisir les lettres que je vais distribuer à tout le monde. Donc, pour toi, Lucas, je vais donner cette couleur-là. Pour Jules, je vais donner cette couleur-là. Pour le papa des loulous, celle-là. Merci. Et pour moi, celle-là. Alors, à mon top, il faut que chaque joueur prenne les lettres qui correspondent à leur couleur et pour reconstituer leur animal. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, il ne manque plus qu'une, Jules. Oh, il t'en est manqué plus qu'une. Alors, est-ce que tu as bien écrit panda? P-A-N-D-A. Bien. Donc, vu que tu l'as bien écrit, tu remportes un point. S'il l'avait mal écrit, c'est tous les autres joueurs qui auraient remporté un point. Jules, il ne te restait plus que le... Quelle lettre? S. Le S pour faire le mot. Ours. Et le papa des loulous, bah, elles étaient toutes dans... Voilà. Et moi pareil. Hein. Tout était... J'avais pas encore bien mis dans le bon ordre. Allez, on recommence. Alors, toi Lucas, je te donne la lettre, la couleur bleu foncé. Pour Jules, tiens, je vais te donner celle-là. Pour le papa des loulous, je vais te donner le bleu clair. Et puis pour moi, je vais prendre celle-là. Vous êtes prêts? Prêts. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, j'ai le pied presque. Moi. Oh, moi. Même pas Lulu. Et à quelques secondes près. Ah, tu vois, tu avais en plus inversé deux lettres. Donc, qu'est-ce que tu as écrit? Z-E accent circonflexe. Accent grave. B-R-E. Voilà, pour faire zèbre. Zèbre. Toi, tu devais faire lion. Pas des loulous. Oh, toi t'as un ours. C'est nouveau. C'est une nouvelle espèce. Voilà, il manquait une lettre. Et puis moi j'avais pas presque fini pour faire 5. Allez, on remélange. Alors, pour Jules, je vais te donner celle-là. Pour Lucas, tiens, la rouge. J'en étais sûre. Pour le papa des loulous, celle-là. Et puis pour moi. Violet n'a pas été fait. Voilà. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Après, je dois trouver le haut. Oui. Le haut. Il est où? C'est que c'est le vert. Couleur vert, il faut que tu trouves. Moi. Ouais, t'as réussi. Moi. Donc, qu'est-ce que t'as écrit? T'as écrit quoi, Jules? C'est un. Boa. Toi, Lucas, un yen. Moi, j'ai Kia. C'est un nouveau. C'est un angle de voiture. Kia. Un yak. Et puis, voilà. Bah, moi, je devais faire un rat. Il ne manquait plus que la lettre A. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième manière de jouer. C'est que quand vous retournez, voilà, vous avez uniquement les lettres. Et là, elles ne sont pas en majuscules. Elles sont en minuscules. Par exemple, tiens, vas-y, montre-moi comment t'écris ton boa. Boa. Voilà, les règles sont les mêmes, hein, sauf que là, il n'y aura pas comme un puzzle à reformer. Et maman, tu ne pourras pas me donner un tour? Bah non, quand même. Si tu veux essayer celui-là, je vais te donner un facile. Oui, parce alors. Que là, sinon, je te... Bah, tu sais écrire rat, le rat ou pas? Rat. Rat ou yak? Est-ce que tu sais écrire rat? Rat. R. R-A. Et à la fin, on dit un rat, une rate. Donc à la fin, c'est un T.
D'accord. Donc, là, par contre, est-ce que oui, si on continue avec la même couleur? Non, c'est pas la bonne. C'est pas celle-là? Ah oui, c'est celle-là. C'est la verte. Oh, encore rouge. Pour le papa des loulous, cette couleur-là. Et pour moi, celle-là. 3, 2, 1, c'est parti. Moi. Non, oh là là, il y a un problème. Oh, le R en premier, chouchou. Le R. R-A-T. Moi. Qu'est-ce que t'as écrit? Yen. Yen. Bien, tu vois, c'était R-A-T. Hop. Et hop. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Voilà, voilà. Alors, c'était le jeu Disney Nature, ma première lecture de chez Bioviva. Voilà.